It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Salut tout le monde, c'est Skyrim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la Obscure Clan, grand plaisir aujourd'hui pour vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des pires parents au monde avec des images plutôt what the fuck, je vous laisse découvrir ça juste par la suite. À la cinquième position, on se retrouve avec une personne un petit peu bizarre qui est partie aux toilettes mais qui a un tarpé de ouf. Enfin, moi j'ai maté que ça, je vais pas te mentir. Bref, elle est partie aux toilettes avec son enfant tout simplement sur le ventre en mode au calme au lieu de la mettre dans un lit, etc. Non, elle s'en fiche, elle va aux toilettes avec. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle prend une photo de son boule avec l'enfant sur elle. Et franchement, je trouve pas ça respectueux pour la petite fille. Et ainsi pour elle, montrer ses fesses comme ça, c'est pas du tout très sain quoi. Et là on va se dire, c'est quoi cette quatrième image? Tout simplement, bah c'est une petite fille qui est entourée de poissons. Et moi je peux te dire que quand t'es petit t'as largement peur. C'est limite un film d'horreur mais vraiment de ouf. Et tout simplement, je peux vous dire que si j'aurais été petit à côté des poissons qui font limite ma taille, j'aurais vraiment eu peur mais de ouf. Alors à la troisième position, tout simplement, le mec m'a fait clairement péter une barre, tout simplement. Il a son enfant sur le ventre, je sais pas comment ça s'appelle le truc pour tenir les enfants sur le ventre, bref, on s'en fout. Et tout simplement, le mec a mis la serviette sur la tête de la petite fille ou du petit garçon en mode au calme, il a rien respecté, il a pris la serviette, il l'a mis, imagine son pain il tombe sur sa tête en mode au calme. Non franchement, il a rien respecté et franchement, il mérite largement sa troisième place. Allez, à la deuxième place, tout simplement, je ne sais pas si vous aviez ce genre de vélo quand vous étiez petit, mais moi c'est clairement le cas pour apprendre à faire du vélo, tout simplement. Les petits vélos à 4 roues, je crois que ça s'appelle comme ça, tout simplement. Et ben le mec, il lui a acheté à sa petite fille, tout simplement, un vélo à 4 roues, et c'est lui qui en profite, tu vois, c'est lui qui se met dessus, mais c'est pas tout. Il demande même à sa fille de pousser, puisqu'il arrive pas à pédaler tellement c'est petit, et ça je trouve que c'est vraiment, vraiment gros, hein, c'est vraiment un gros bâtard, et franchement il mérite largement sa deuxième place. Allez, à la première place, on retrouve la personne la plus sadique du monde. Elle a tout simplement mis son enfant sur le mur. Elle l'a scotché en mode au calme, en mode no respect. Et franchement, ça mérite largement sa première place. Regardez, le petit, il est tout content. Il s'imagine même pas. Lui, il dit, ouais, je suis content, je suis attaché au mur et tout. Mais voilà, il y a des points négatifs. Ça va coller ses vêtements, etc. Peut-être qu'il va rester parce qu'il est puni, etc. On n'en sait rien. Mais franchement, bonne punition si t'as envie de le faire. C'est la face au top 5. S'il t'a fait plaisir, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Pourquoi pas tenter les 70 likes aujourd'hui sur la Obscure Clan, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de les atteindre. Si tu n'es toujours pas abonné à l'Obscure Clan, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est vraiment une chaîne de team qui envoie du lourd tout simplement. Et si tu veux venir aussi sur ma chaîne YouTube, elle sera normalement dans la description, ainsi que tout simplement le joueur, n'hésitez surtout pas à aller checker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Au fait, j'avais juste une petite question à vous demander, est-ce qu'il fait froid aussi chez vous? Parce que moi, c'est une dinguerie, à Paris, il fait trop froid, il fait des moins 3 et tout, grande dinguerie du turfu. Bref, je vous en mets pas plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce, peace les gens.